Et il y a un commentaire qui m'a fait percer, qui m'a entre guillemets dit ouais, mais c'est un albino, il va jamais percer. Et moi, je me suis dit, ben, pour la peine, je vais me donner à fond et tu verras que je vais y arriver. Et bien, salut tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et ça sera pour un nouvel épisode sur les jeunes rappeurs qui vont percer ou en tout cas qui le méritent. Alors vous le savez, sur YouTube, on y découvre des talents qui ne sont pas toujours mis en valeur. Et donc on va encore une fois tous ensemble découvrir ces rappeurs qui sont dans l'ombre de YouTube et essayer de booster tout ça. Dans les précédents épisodes, nous avons découvert plusieurs dizaines de talents et nous leur avons donné de la force. Alors je compte sur vous comme d'habitude pour soutenir un maximum cette série si vous voulez continuer avec un épisode 8. Pour commencer, on se rend du côté d'Evreux découvrir Teddy Banks, 26 ans, un rappeur qui commence à grimper. Et à mon avis, il ne faut surtout pas le lâcher, il mérite beaucoup plus de vues. Alors grosse force à lui. Bagarre les embrouilles au collège et au lycée. Ça se finissait toujours en mode quartier contre quartier. Ce monde d'où je viens. Viens voir, oui, viens voir, oui, viens voir que je te mens. Viens voir, oui, viens voir, oui, viens voir que je te mens. Papa, pardonne-moi, mais c'est la rue qui m'a choisi. Maman, je ferai ce qu'il faut, bientôt fini la zermie. J'ai pleuré au mitard, frérot, j'ai touché le fond. Je mets le costume à Bruce Wayne, mais je viens pas sauver le monde. Au départ y'avait rien, le shétan me retient. Je ne crois plus trop au Christ, non, car il n'y a plus de paradis. On passe à un frérot, il s'appelle Scunchies. Il a 24 ans, il nous vient de Lille. Et sincèrement, je mise beaucoup sur celui-là. Il a un flow très propre, des clips et des textes très pro également. Il progresse de jour en jour et je vous invite vraiment à porter attention à lui car sa place dans le rap game arrivera bientôt et en tout cas je l'espère pour lui. Il n'a pas encore le succès qu'il mérite, alors si vous voulez lui envoyer de la force, le lien est dans la description. Comme d'habitude, n'hésitez pas. J'y crois depuis le début, toi t'y crois toujours pas. En moi t'as jamais cru, mais je le fais quand même sans toi. Je me rappelle sans les thunes, fallait y aller comme ça. Le sourire à l'envers, la tête collée au canapé. J'en ai vu passer des gens, oui j'en ai vu parler. Tout petit, la prof me disait je suis de bonne volonté. Mais j'ai la tête ailleurs et ça m'empêcherait d'avancer. Et comme des vautours à la recherche du lingot, ce monde me rend fou, ils deviennent tous des glingos. Murcielago dans la tête des jeunes. Mais en se levant à 13h c'est chum. Je vois pas d'égalité, liberté et fraternité. Je sais la vie c'est un bonbon donc faut sucer. Et je vous laisse dans vos faux succès. Je vous présente maintenant Esteban, 14 ans de Toulon. Un frérot que j'ai découvert et j'ai remarqué immédiatement qu'il avait un truc. Que ça soit des covers ou bien des freestyles à lui, c'est un talent qui naît. Et je vous assure que je vois une réussite pour lui très bientôt s'il continue comme ça. Il maîtrise les instrus, le rap conscient tout comme le rap un peu plus sale. Alors grosse force à toi et lâche rien. 3h du matin, je pars chez mort. Je repense à mes galères sur le chemin. Ils voulaient que je rentre dans leur schéma. Niquez vos mères, vous savez même pas ce qui se passe chez moi. Je suis un ado, je suis un gosse, je suis un homme. Et je ferai tout pour inverser la donne. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Je m'amusais à tester les plus grands que moi juste pour voir. Et maintenant le public vient en concert juste pour me voir. J'ai des problèmes, j'en avais plein la tête, je suis déscolarisé. Le bien, le mal, comprends que je fais les deux. Je suis bipolarisé, bah ouais ma belle. Il s'appelle RODAV, il a 19 ans il me semble. Et il vient de Garges-lès-Gonesse. Et il va représenter le 95. Remarqué par ses freestyles sur Insta, il nous propose son premier vrai clip. Et clairement c'est propre. On a bien parlé en privé, je vous assure qu'il est motivé à tout niquer en 2019. Et donc je lui souhaite. Rodave la putain de ta grand-mère, grandis son père, j'encule ton père et ta grande sœur. Je suis ton cul et ta te jamais t'es aussi fraîche qu'un poteau, bien sûr je parle de l'épaisseur. Espèce de salope, espèce de flic. C'est le minimum, on veut pas tout plutôt tous les cas ça finit, finit mal. J'ai l'impression que mes péchés sont pardonnés comme un minimum. Tu te baisses toi ou ta mère, dans tous les cas ça finit mal. Hé, hey, toi, dis-moi tu veux quoi. Tu fais le bandit, l'escobar mais t'es pleureux. Voilà, t'inquiète pas que je vais finir sans eux. Tous ces bâtards vont me censurer. T'as le seum parce que je ne serai pas dans ton sens. Touche à mes gars, ça va t'enculer. On accueille le félin, YTL à 24 ans, il vient de Nice et il arrive avec des sons propres, des clips originaux, mais un talent à gratter derrière. Et c'est une nouvelle fois pour ça que j'ai décidé de lui donner sa chance, car il a besoin de force pour s'améliorer encore. Il enchaîne déjà des petits concerts, il avance sur son chemin et il est sur la bonne voie. Alors comme d'habitude les amis, si vous voulez envoyer de la force à un rappeur pour le faire percer comme YTL par exemple, les liens sont en description, ils ont besoin de vous.
Moustache brossée, griffe aiguisée et la clope au bec, j'ai ridiculisé tout le beau monde et affolé la blogosphère. Gros, je perds à l'aide de rimes acérées, peu orageux, un conseil, sortez tous vos parapluies. Et je vois des fantômes quand je fume, des loups-garous quand je disais, des hypocrites quand je cuve. J'assure que je vois des tas de trucs, des éclairs quand je rabaquais partout, mais t'es l'insure. Mais oui, maman, évidemment que c'est les crises que j'avais avant qui ont brisé mes phalanges. Continue mes rimes débiles en me disant que ça pourrait marcher. Prends mes esquisses de freestyle avec la puissance d'un karcher. Dans la série des jeunes rappeurs, il faut vraiment être ouvert à toutes sortes de rap et tout âge, du moment qu'il y a quelque chose à creuser. Je tiens à vous montrer un petit rappeur aujourd'hui, il s'appelle Ilax, 11 ans seulement, il vient de Champigny-sur-Marne et pour son âge on sent une détermination de fou, malgré les textes qui sont pas trop adaptés, on va pas se mentir. Il a déjà un flow vénère et on ne peut pas le nier, alors il mérite d'être mis en avant, alors grosse grosse force à ce petit frérot. C'est qui ce gosse, ouais c'est Ilax, au micro et avec un minimum je vous étonne, tu joues le grand gars, frère tu viens d'où, fais le fou à BMK, y'a mon gars c'est doux, ici ça suffit pas, y'a mon gars à bout, ah bah bang, bah bang, bah bang, bang. Dans le bec, c'est pas bougie. Ouais, moi, si je perds, c'est pas que j'ai triché mon gars. J'ai juste bossé jusqu'à y arriver. Faire le tour du globe, on y arrivera. Fuck les jaloux, ceux qui se seront après. Je reste avec les mains, je me mets en choix en espérant qu'un jour le rap ça va payer. Illégal, tout ce qu'on fait, c'est illégal. J'ai porté mes couilles, j'ai tout cassé. Ah bah bang bang, c'est le bruit de mon gang. Je place une pour les grands. Flash in off gang, la matrice gang. Dans le bang, ça revend à mort. À la recherche de zombies. À cause de ça, des balles dans le corps. Tout ce qu'on veut faire, ça repart sur le produit. On se retrouve maintenant à Marseille pour découvrir Husni, 22 ans. Prêt à retourner le game lui aussi. Il m'a été proposé par ses potes et franchement je suis pas déçu de cette découverte et je pense que vous ne le serez pas non plus. Force à lui. Où sont mes potes? Où est ma belle là? J'perds des neurones, personne n'était là. Quand la daronne versait des larmes. Fais pas la bise gros, ouais je sais que tu m'aimes pas. J'pense à mon daron, toujours faire comme papa Wemba. Si j'te sors le, tu danses la zumba. Bref, y'a les civils punkés dans un appart. Getter de la night, piste et des bars. Ce soir un getter a raté le hara. Gyrophare dans les rétro de la Fiat Tapar. Ça partira vite et la ville en RS3. Intérieur cuir, cellophane et le peufra. Ces bâtards pensaient me connaître. Moi j'arrive dans le game comme une comète. En roue arrière sur une compète. Négoce trop tard, la salle est complète. Dans ma lancée, j'arrive dans le game. Après Marseille, on va maintenant à Paris découvrir Younes, 23 ans. Et lui, c'est vraiment la pépite à suivre en 2019. Des freestyles originaux, et j'aime beaucoup cette façon-là de filmer, perso. Le monde autour continue pendant qu'il impose son style face caméra. Je trouve ça vraiment très propre, et vous êtes obligé de kiffer ses rapports. Younes. Je suis avec mes scarlas, je suis avec mes bandits. Ta pute me parle pas, le succès me fait bander. En total indé, du mardi au lundi. Toute la journée, mes rêves viennent me hanter. Faut que l'industrie, faut que la radio, faut que la télé. Ce que je peux pas dire, bah je vais le rapper. Alors vive le rap. Vive le rap. C'est le rapport numéro 4. Alors vive le rap. Vive le rap. Si j'ai pas percé, c'est que je le mérite pas. Je vais pas pleurer sur les résultats. C'est beau l'amour quand ça dure. Solide comme une ossature. J'ai quitté la terre pour la lune. Adopte un mec sur Tinder. Choisis-le comme un Kinder. Rapide, efficace comme la 14. T'es lent et tu te la pètes comme un carrosse. Ils jouent sur le Coran, finissent pas une BD. Merde. Seulement 4 lettres pour ce nouveau rappeur qui débarque. RNLD, 18 ans de Lyon et plus précisément du quartier des Minguettes. Plusieurs personnes m'ont envoyé son blaze, quelques milliers de vues pour le moment, mais je le verrai bien être des millions. Et je tiens aussi à lui envoyer de la force car je trouve que Lyon n'est pas encore assez mis en avant dans le rap game et j'espère que ça va changer grâce à des mecs comme lui. Hey, hey, la quitte plat dans le hall, y'a un bro, y'en est al. 6-9-2, c'est pas drôle, et je suis sur le scoot, y'a les blonds, on se régale. Ils savent qu'on est pas en règle. Un guetteur posé dans les angles. La BST nous traite de nègres. Et je cours tous les jours, j'en ai mal aux ongles. Mettez-vous sur le côté. Et un net des chuchots. Des rappeurs, c'est des pitres. Des vadjors comme des poutres. Ils vont se manger une porte. Et quand je baisse la vitre, ta vie peut être courte. Ils connaissent trop en même temps que les vues sur le terrain. Y'a pas la voix. Prends ton hume et même ceux des fous, je mets la volée. Toi, jamais pas va. La France est grand mais on oublie souvent nos rappeurs d'outre-mer et on me l'a déjà dit, donc je vais remédier à ça. On se rend à La Réunion pour découvrir Derrick, 20 ans, qui vient de Saint-Denis de La Réunion. Bon, même si je parle pas créole, je porte attention à son flow et c'est vraiment du bon travail et j'espère que La Réunion ainsi que les Antilles monteront de plus en plus dans le rap. Et je vais essayer de dire ce petit proverbe qui me paraît bien, les enfants ils plairent pas, ils guiennent pas tété. Voilà, si quelqu'un a compris, force à vous. Toute cette année, Zati gay pas dit rien. La concule est condamnée, Zat ça reste comme un chien. Les gars m'y confirment, la concule a un vagin. Un taf, compression, rejette la fumée sans pression. M'y apprécié, pas pressé, c'est moi qui gère la transaction. Dans mon whisky, mais pas garçon. Pour que ouf le bad boy, quand on la prise donne. Néna, toi.
succès. Sur la route du succès, mille est dans l'ascenseur. J'ai décidé de mettre une petite nouveauté qui m'a été beaucoup demandée. Je passerai maintenant à un rappeur repéré sur Instagram. Et donc si vous voulez passer comme ça, c'est simple, vous faites un petit freestyle sur Insta, vous mettez le hashtag LJR et vous m'identifiez que je puisse voir et vous sélectionner. J'ai 15 A-B on the B. Ça fait 1000 ans que tu me cherches, t'es pas lassé. J'ai fait mes belles écarpées, moi je suis lassé. À contre cœur, moi je t'ai zappé de mes pensées. Maintenant j'attire l'attention comme une. À l'époque, moi je leur rendais service. Vice, maintenant ils sont rentés dans le vice. Vice, demande à Rikiki, le meilleur de mes sauces. Depuis comme City, on a rajouté la sauce. J'ai pas fait à ta radio. Ramoule la sauce. Ramoule la sauce. Vas-y, ramoule la sauce. Eh, ramoule la sauce. Vas-y, ramoule la sauce. Et ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, la famille. J'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. J'ai essayé de faire un petit peu mieux comme d'habitude. Si vous voulez un épisode suite, dites-le moi dans les commentaires. Et comme la dernière fois, si vous êtes rappeur et que vous avez du mal à percer, ou alors que vous connaissez un ou plusieurs rappeurs que vous voulez aider, je vous attends sur mes réseaux sociaux et on essaiera de monter tout ça ensemble. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et vous pouvez même vous abonner. Et nous, on se retrouve toutes les semaines pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.